Salutations à toi, jeune malandrin, et bienvenue sur la Coop Gameplays. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, Mamadou prend son rôle très au sérieux et tente de libérer trois otages innocents des mains de dangereux criminels, menés par deux youtubeurs cruels, avides et sans pitié, dont je ne citerai pas les noms. Akilu et Liberty, leur chaîne est dans la description MDR lolilol. Cette vidéo résulte d'une intense négociation de plusieurs heures que j'ai réduite en 38 minutes. Bon visionnage, over. Bag it. I'm gonna pop some Oh putain. C'est parti. Trois otages, on est armé jusqu'aux dents. On va en négociateur tout de suite. Si on suspecte quoi que ce soit de fourre de votre part, on descend le premier otage. Je contacte une équipe pour négocier. Ok, je leur réponds. Bon, on va la faire comme ça. Quand je suis dans l'hélicoptère, ça veut dire que je communique avec la police. Quand je suis avec eux, je peux pas communiquer avec la police. Ok, je vous mute. Bon courage les enfants. Pas de merde, pas d'excitation. Ça va bien se passer. Monsieur, bonjour. Je suis le négociateur. Avant toute chose, je voudrais vous préciser que je ne travaille pas pour la police. J'essaie que les deux parties s'en sortent bien dans cette histoire bien malheureuse. J'espère que les otages vont bien. J'espère que ça va, les mecs. Bonjour messieurs les otages, tout va bien aller. Tout va bien aller, vous allez sortir d'ici en vie. Hein. Là. Monsieur, gardez votre calme. Je ne sais pas quelles sont vos revendications, mais je ferai tout pour que vous ayez ce que vous voulez. Gardez la vie des otages en tête. J'ai bien entendu 3 millions, messieurs. Messieurs, dans l'état actuel des choses, même si je contacte les marchés boursiers afin qu'ils débloquent une telle somme, il me faudra plus d'une semaine, voire 10 jours pour débloquer 3 millions de dollars, messieurs. Monsieur, je ne peux absolument rien faire. Je peux vous donner des véhicules. Je peux vous donner des ressources. Je peux vous donner plein de choses. Mais je ne peux absolument pas vous donner 3 millions de dollars dans des délais pareils. C'est impossible, monsieur. Monsieur. Soyons raisonnables. Monsieur. 1 million de dollars, je peux les avoir extrêmement rapidement. 1 million de dollars, messieurs. Réfléchissez bien à ça. Et tout le monde peut s'en sortir. On va passer de 3 millions. On va passer de 3 millions à 2 millions. Monsieur, 2 millions, c'est une somme colossale. Il me faudra plusieurs jours pour la réunir. Attendez, écoutez-moi. Je vous ai dit et je tiendrai parole. 1 million, je peux les avoir très très rapidement. Qu'on soit très clair. La police m'a contacté, car ils ont reçu un message. Ils m'ont contacté pour venir négocier, mais toute la police sait que vous êtes ici, évidemment. Mais moi, je n'ai pas de radio, et vous ne voyez pas de policiers, vous êtes en sécurité, la zone est complètement déserte. Les policiers l'encerclent, mais avec un périmètre très très respectable, d'au moins 1 km. Mais bien sûr que si, monsieur. Il y a un pick-up rouge qui arrive sur zone, c'est ce qu'il fait. C'est simplement un problème de... Il faut simplement être réaliste, monsieur. Vous ne pouvez pas demander autant. Je ne pourrais pas garantir la vie des otages si vous donnez autant, monsieur. C'est tout simplement une question pratique. 3 millions de dollars, ça ne peut pas se verser en si peu de temps, c'est tout. Hein. Monsieur Liberto. Je vous promets, sur mon honneur et sur ma famille, que si je pouvais, si je savais que c'était possible de vous virer 2 millions dans les plus brefs délais, je le ferais. Je vous jure, monsieur, je le ferais. Et je vous le dis, soyez déjà raisonnable. 1 million, je peux le faire. Je vous dis que je peux le faire. Ça va être, la négociation va être difficile avec la police, mais je sais que je peux les convaincre. Soyez raisonnable, monsieur. Vous les aurez, les 1 million. Vous partirez d'ici, tout le monde sera en vie. Vous aurez 1 million de dollars gratuitement, monsieur. Je sais, monsieur. Je sais ce qui est en jeu, monsieur. Je sais ce qui est en jeu. Mais oui, vous inquiétez pas. Il n'y a aucune manipulation dans tout ce qui est dit, messieurs. Sachez que tout ce que je dis à vos malfaiteurs est totalement vrai. Hein.
Alors, malheureusement, s'il demande 3 millions de dollars, nous ne pourrons rien faire. Monsieur Liberto, afin que rien ne se passe comme on ne veut pas que ça se passe, est-ce que je peux aller communiquer avec les équipes de police dans l'hélicoptère afin de leur dire si jamais ils ont prévu quelque chose d'abandonner toute initiative? C'est pour votre sécurité, monsieur. Je ne travaille pas pour la police, vous le savez, monsieur Liberto. Monsieur, vous ne prenez aucun risque si je sors. Vous avez toujours les otages. Je vous promets que ce n'est pour dire rien d'autre que d'évacuer la zone. Non, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir, je vous dis. Nous n'avons pas pu discuter, monsieur. Votre collègue est assez nerveux. Je le comprends, c'est normal. Écoutez, je vais dire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Rien n'a changé car vous ne m'avez pas laissé sortir pour aller à mon hélicoptère et communiquer et négocier avec la police. Ce que je sais, c'est que c'est impossible dans les délais que vous me demandez. Il faudrait me donner plusieurs jours. Je peux vous donner 1 million de dollars très rapidement. Soyez raisonnable. C'est une belle offre, monsieur. Une belle offre. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je pense que je peux régler la situation quand j'ai le pouvoir de policier, je peux le bouger. M'autorisez-vous? Ok. Bah, je suis bloqué aussi. Je suis bloqué aussi, il y a un bug. On est tous bloqués. Ah, on a mis de la colle glue sur nos mains et on est collé. Dundee, viens tout de suite dans la cabane s'il te plaît. Il y a un bug en fait, on est collés avec les mains derrière la tête tous, les otages et moi. Faut que tu viennes, que tu nous menottes, que tu nous démenottes et je pense que ça va marcher. Donc viens dans la cabane, on est juste hors RP pendant 5 minutes. Donc à toutes les unités, on est hors RP pendant 5 minutes, il y a une pause. Parce qu'il y a un bug, on essaie de le résoudre et ça reprend. Bon, j'ai entendu, monsieur. Je vous ai dit 3 millions, c'est impossible. 2 millions, c'est impossible. Je vous propose 1 million. Je comprends que c'est trois fois en dessous de votre offre. Alors, coupons la poire en deux, faisons 1 million 5. C'est une excellente somme, monsieur. Vous pouvez l'avoir dans les délais, j'en suis sûr, je vais négocier avec la police. Non, la négociation, elle était pour 3 millions de dollars. Oui, mais c'est impossible, monsieur. Je ne peux pas. Ça demanderait des délais indécents, monsieur. Vous le savez, monsieur, vous le savez très bien, monsieur, que c'est impossible. Si je pouvais le faire, je le ferais. Je ne peux rien faire, monsieur, ne faites pas ça, je ne pourrais pas sortir 3 millions ni 2 millions. 1 700 000, 1 700 000, c'est ma dernière offre, monsieur. Je le ferai, je vous promets. 1 700 000. 1 700 000, merci beaucoup, monsieur. C'est entendu, monsieur. Vous savez que mon but premier est le sauvetage des otages, monsieur. C'est votre but d'intervenir, mais plusieurs sont les gardes à l'œil pour vos flics, là. Il y en a un qui s'approche dangereusement en but de premier otage, et etc. Allez, allez. Très bien. 1 700 000, monsieur. Très bien, à toutes les unités de police, ils veulent 1 700 000 dollars.
ils sont très très nerveux. et donc voilà, il y a un Black Hawk qu'ils ont repéré et un Hunter qu'ils ont repéré. Si le Black Hawk et le Hunter ne bougent pas, ils sont à 1 km de distance. Donc si ces deux véhicules ne bougent pas au plus vite, ils abattent le premier otage. Donc les gens concernés, bah bougez et cachez-vous le plus vite possible. Au pire, si tu veux, j'ai de la thune. Hein. Sur moi, j'ai... Ok, sur moi, j'ai 1 million. 1 million sur moi. On répartit la thune, j'ai rien sur moi. Écoutez, on va faire ça par, on va faire ça par étape. On va faire ça par étape. Donc j'ai 1 million, je vais leur donner déjà... on va faire, on a 1 700 000. On va faire 500 000, 500 000 et 700 000. Ok. Ok. Je vais donner 500 000 contre un otage. Ok. Et vous viendrez le chercher quand je le dirai. Okay. Je vais sûrement sortir avec un otage d'ici peu. Qui va chercher. Rendez-vous à l'hélico et n'importe qui, y a pas de souci. Ok. Je vous mute. Gros bisous. Oh, bon courage. Les gens, ça sert à rien de venir. Sound muted. Très bien, messieurs, vous voulez qu'on entre ou on reste ici? J'ai de bonnes nouvelles pour vous, monsieur. Très bien. Écoutez, je suis négociateur, c'est mon boulot, donc je prévois toujours un peu d'argent. Donc je peux vous payer 500 000 dollars immédiatement contre la vie d'un otage. Et le reste est en cours d'acheminement. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? C'est... C'est en cours de... Mes collègues font le maximum pour amener cette somme. Il y a déjà 500 000. Vous avez encore deux otages. Tout est en sécurité. Tout est sous contrôle pour vous. Il n'y a aucun risque. Ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 500 000 dollars qui tombent tout de suite, monsieur. Très bien. Un collègue à moi va venir près de l'hélicoptère et va récupérer l'otage. Vous êtes d'accord, monsieur? Très bien. J'ai votre parole. Je vais procéder à l'échange de la valise de cash tout de suite. Je vous la donne. Monsieur Gordon, je vous donne 500 000 dollars. J'ai confiance en vous. Hein. C'est bon, monsieur. Je vous ai donné. 14, autorisation de le menotter, monsieur. À l'intérieur. Retour à l'intérieur. Autorisation refusée. Retourne à l'intérieur. Retourne. Liberty, reprends-moi cet enfoiré là. Ramène-moi à l'autre otage là. Retourne. Il fait full. Rentre. Lui, il veut nous. Allez, allez. Rentre. Ramène l'autre. Il dit j'ai pas de famille. Nico, tu genre, il a aucun remords, il a pas peur. Bouge-toi, allez. Merci, monsieur. Vous avez bien reçu les 500 000, monsieur? Je vais le mettre en sécurité, c'est normal, donnez-moi le temps de faire ça. Et je vous tiens au courant pour les 1 200 000 restants. Et ça, tout va aller très vite, monsieur, vous allez avoir la somme rapidement. Très bien. Tout va bien se passer, monsieur. J'écoute. Monsieur, il est choqué psychologiquement, il ne fera rien, il nous donnera pas d'informations. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille. On y va. Ok, je veux vite un officier de police sur l'hélicoptère, vite. Dundee, je crois que c'est toi. Dundee, tu peux venir sur l'hélicoptère. Je peux me lever? Ouais, ça sent combien, Mixem? J'écoute. Greg, pas combien? Mais là en sécurité. Greg, est-ce que tu vois que là-bas il y a un tout-terrain? T'es pas dans le bon canal. Hey, faut que quelqu'un le récupère là. Un Mixem. Oui, j'écoute. Ils sont combien? Ils sont 3. Enfin, ils sont 2. Deux, qu'est-ce que je raconte? Deux armées à fond, ouais. Ils sont deux armées, c'est tout, y'a que Liberty et... Ah non, ils sont trois, putain, je suis con, putain, trois. Essaie de les garder comme t'étais à l'extérieur, comme ça j'ai les enjoues. Ok, ils veulent plus que je rentre, donc ça va, c'est attends, tout. Par contre, Mixem... Je le mets où, moi?
je peux pas. J'ai pas de véhicule là. Bah sors, cours. Fais quelque chose, prends mon hélico si tu veux. Non, on peut venir si vous voulez. Ah, ouais, non, ouais. Non, laisse-le menotter, puis. Voilà, ouais, puis on va... l'hélico, il va attendre. Allez le chercher, laissez-le pas là, parce que sinon ça va nous retomber dessus. Évacuez l'otage. Je retourne aux négociations, je ressortirai peut-être avec un nouvel otage. Je vous fais confiance, les gars. Bon, qu'on soit très clair, monsieur. Je vais être franc avec vous, car là, au point où on en est, je n'ai plus beaucoup le choix. Les forces de police encerclent cette zone. Ils encerclent cette zone. Ils sont comme des chiens enragés. Si je veux les maintenir dans des positions qui ne sont pas défavorables pour vous, je vais devoir pouvoir vous faire confiance, monsieur. Ils sont comme des chiens enragés là. D'accord, ils vont vous tomber dessus, il va y avoir des morts, ça va finir en bain de sang, ce n'est pas du tout mon objectif, monsieur. Vous et moi, nous voulons la même chose, nous voulons la sécurité des otages, et vous voulez votre argent. Et vous allez avoir ça. Donc ce que je vous propose, je vous écoute, mais 500 000 $ tout de suite, libérez un deuxième otage et prenez-moi en otage. C'est équitable. Et ensuite, vous avez tout le reste et on fait comme vous avez dit. Il n'y a aucun risque pour vous, monsieur, soyez raisonnable. Je vous donne 500 000 $ tout de suite. Vous me libérez un otage et vous partez en hélicoptère. On commence à s'énerver. Non, nous sommes sur le même pied d'égalité. Je ne suis pas d'accord avec les décisions policières. Voilà comment ça va se passer. Voilà ce que tu vas dire au flic. Voilà ce que je vais te dire et je sais pas changer quoi que ce soit. J'accoute. Voilà ce que tu vas dire au flic. Tu vas leur dire, on veut 1,2 million de dollars en cash. Form on me. L'otage en échange. Une fois qu'on aura les 1,2 million de dollars, l'otage. Je ne comprends pas le risque que vous prenez si vous libérez un otage tout de suite contre 500 000 $, monsieur. Vous ne prenez aucun risque, aucun. Je vais libérer l'otage contre 1. Retournez à l'hélico, on veut un hélicoptère. Monsieur, très bien. J'entends. Je vous écoute. Je ne dirai rien d'autre à la police. Mais je vous aurais prévenu. Il y a des chiens enragés à 1 km partout autour de cette zone. Et vous ne leur faites pas plaisir en disant ça, monsieur. Je suis le seul à en avoir quelque chose à faire de la vie des civils. J'en ai rien à foutre, des chiens enragés que si tu entends quoi que ce soit, les civils meurent. T'as compris ça ? Ce n'est pas en agissant comme ça que vous verrez le soleil se coucher ce soir, monsieur. Bon courage, je vais dire ceci à la police. Ils veulent libérer un otage contre 1 200 000. Ensuite, ils ont un dernier otage. Et cet otage-là, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, parce que cet otage-là, ils vont partir avec tout l'argent et il n'y aura pas grand-chose à faire de plus. Et ils veulent pas faire un lieu. C'est des connards, ils lâchent rien dans la négociation. Ils lâchent rien, ok. Voilà. Là, ils tirent là, Gordon, je sais pas pourquoi. Il faut que je joue la carte de l'imprévu et que je paye que 800 000 contre un otage. Ça va être chaud, hein. Ouais. Ça va être chaud. Perso, connaissant Liberty et Aiki, voilà quoi, ils vont pas vouloir. Déjà, on en a un de libéré. Attention, ça tire là. Je sais pas pourquoi ça tire. Bon, dis à toutes les unités de police de se rapprocher en mode furtif à pied. Tout le monde à pied, vous vous rapprochez à fond, ok? T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Je suis sûr, je les ai prévenus que la police était vénère parce qu'ils lâchaient rien. Et j'étais le seul à en avoir quelque chose à foutre de la vie des otages car vous êtes des chiens enragés en gros, j'ai dit, tu vois. Donc j'ai dit qu'il fallait laisser certaines choses se faire, ok? Donc vous approchez tous, tu dis à tout le monde d'approcher en mode furtif à pied, pas de véhicule. Je vais prendre le canal groupe hein, là par contre. Ok, donc, vas-y, parce que c'est vachement dur. Ok, alors à toutes les unités, on vient de parler avec Amixem. Alors, il va falloir avancer vraiment, vraiment très discrètement vers la position. Je sais pas s'il autorise les armes létales. Bien sûr. On tase. Bien sûr, bien sûr. Je viens d'avoir, on tase un maximum de personnes tasées. Ils sont trois apparemment. Liberty, Gordon et plus tard Shit, c'est ça. Dernière chose, j'ai un taser, ils l'ont pas vu, ils m'ont pas fouillé, je vais essayer de les prendre à revers, ils m'auront peut-être oublié pendant le combat, si jamais. Ok. Est-ce que vous tuez? Non, on tue pas. Michel, regarde la position de moi et de Tubio, si on est bien positionné, on va se foutre sur les deux pics juste pour avoir un visu sur eux. Exact, c'est ce que je pensais, je suis arrivé par cette position là aussi.
Je vais faire la transaction. Je vais faire la transaction. Ça va bouger. Rapprochez-vous le plus possible. Ne vous faites pas repérer. Terminé. Ok, les négociations reprennent. On essaie d'avancer un maximum. Je vais laisser le canal vide pour Amixem. Essayez d'être un maximum furtif. Subio et Blackwheel, j'arrive. Avancez pas trop. On tase un maximum. Ils sont que 3, on est 5. Je sais pas où sont les autres. Attention, j'approche de la zone silence. C'est parti. Bon courage. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, monsieur. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est dans mon ressort, mais il me manque seulement quelques dizaines de milliers d'euros. J'ai 1 125 000. Ça ira, monsieur ? Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez aller chercher l'otage, monsieur ? Je vous fais confiance, monsieur. Je vous ai fait confiance jusque-là. Non, tu le laisses. Non, tu le laisses dans la maison. Écoute, je veux l'argent d'abord. Je sais qu'il y a un policier qui est caché dans le buisson là-bas derrière. Oui, c'est mon collègue. Vous l'avez vu. Il n'a pas de sniper, monsieur, Voilà. Il a une arme et il m'a donné un tireur. Mais monsieur, je vous ai dit, il y a une armée qui vous entoure à 1 km à la ronde. Ne faites pas celui qui ne sait pas, vous savez très bien que vous êtes encerclé, monsieur. Cette personne n'est pas une menace, elle est bien trop loin, elle n'a pas de sniper, vous inquiétez pas. Oui, l'otage est là, je ne vois même pas l'otage. Si vous l'avez tué, je fais comment, moi ? Montre ta tête là, à monsieur Brick qui montre sa tête là. Le voilà. Je vais vous donner donc l'argent. Vous êtes un homme d'honneur, monsieur. Vous êtes un homme d'honneur. Je suis un homme de parole. Nous allons tous les deux tenir parole. Je vous fais confiance. C'est bon. Je vous les ai donnés. Je ne vais pas bouger, monsieur, je ne suis pas armé. Je ne suis pas une menace pour vous. La menace, c'est tous les policiers qui sont autour de nous. Pourquoi ça tire? C'est vous? C'est vos amis. Qui a tiré? C'est vous? C'est votre ami. Voilà le deuxième otage, Mamadou, là, regarde, on a le deuxième otage. Très bien. Je peux le prendre, monsieur ? Je peux l'amener à l'hélicoptère, monsieur, le mettre en sécurité ? Attendez avant de l'amener à l'hélicoptère. Très bien, j'écoute. On voit un moyen de transport, on voit un moyen d'extraction. D'accord. Et je fais comment pour évacuer l'otage, monsieur ? Je veux sa sécurité et c'est le seul moyen de le mettre en sécurité. Attends. Arrête d'agir comme si on n'était pas au courant que vous nous encercliez. Ou alors dans le Black Hawk qui est juste là-bas, on sait exactement. Bon, attendez. Est-ce que je peux juste l'embarquer dans l'hélicoptère, le poser en sécurité et revenir? Non, tu peux pas. C'est ça que je te dis. Tu peux pas. D'accord. Ok, un véhicule arrive, me prend et vous récupérez mon hélicoptère. Je vous donne les clés de l'hélicoptère, regardez. Vous voyez, monsieur, je tiens parole. Maintenant, laissez-moi retourner à l'hélicoptère pour dire à quelqu'un de venir me chercher. Je mets l'otage en sécurité à l'intérieur, il y a des tirs. Hein. Tout va bien se passer, messieurs. Hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous voyez, j'ai déjà sorti quelqu'un, il y a quelqu'un qui est prêt à sortir, vous êtes le suivant. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Ouais, mais tu donnes un signe, je sais pas, c'est quoi ton signe, donne un truc comme quoi, dis que t'as l'otage à toute la police et puis tu leur dis, fais un truc genre, c'est bon, on peut reculer, c'est genre, à ce moment-là, nous on fonce quoi. Ok. Tu préviens tout le monde que c'est ça? J'ai préviens tout le monde. Ok, dès que je dis on recule. Ok. J'ai préviens tout le monde. Attends, ouais. Très bien. J'entends. J'aimerais sortir l'otage et aller prévenir mes unités de venir avec un véhicule pour m'évacuer avec l'otage. Et vous avez mon hélicoptère. Non. Bah, comment je fais, monsieur ? Bon,
Donc, je reviens à l'hélicoptère. Je vais demander qu'un véhicule vienne me chercher avec l'otage et vous prenez l'hélicoptère. C'est comme ça qu'on a convenu, monsieur. Après, j'aimerais avoir des informations sur la libération du troisième otage, monsieur. Je vous ai fait confiance, monsieur. On va prendre le Black Hawk. Vous n'avez pas le choix de nous faire confiance. On va prendre le Black Hawk. On va décoller. Et si on voit qu'on est suivi par un autre hélicoptère, lorsqu'on atterrit, on voit qu'on est suivi, on abattra le civil. Très bien, c'est entendu. C'est entendu. Si au bout d'une heure, je vois qu'on n'a pas été suivi, qu'on a la paix pendant une heure, on relâchera le civil, on baissera nos armes et on disparaîtra dans la nature. Une heure, c'est beaucoup trop, monsieur. Je ne sais pas quelles sont vos activités au-delà de ces murs. C'est beaucoup trop dangereux, monsieur. Libérez-le avant. Et donnez-nous l'emplacement de la libération, monsieur. Monsieur, je vous ai dit, mon but primordial est de libérer les otages. Là, je suis désolé, mais vous jouez avec mes nerfs et ceux de la police. Comment voulez-vous que je dise à la police de rester calme si vous m'affirmez des choses pareilles, monsieur? Amixem, on est prêt, on attend le signal. Très bien. Donc, un conseil, n'essayez pas quoi que ce soit. Au sujet de la libération de l'otage, ça se fixera dans les 5 à 10 minutes qui suivront. C'est parfait, monsieur, je vous remercie. Quand je parle de notre disparition, je parle quand on aura atterri avec l'hélicoptère et qu'on sera assuré de ne pas être suivi. Très bien. Allez, disposez, et on veut, dans les 5 minutes qui suivent, on veut avoir décollé avec l'hélicoptère. Monsieur, ça va être un peu court, hein. Juste le temps pour moi de faire venir un véhicule ici, hein. Très bien. Je prends l'expo et je décolle. Ok, j'ai besoin d'un véhicule, un seul véhicule non armé au niveau du cabanon pour m'évacuer. Oui, je veux juste vous dire que la police n'a pas de véhicule à terre, c'est un hélicoptère qui va arriver. Cela ne change rien au plan, monsieur. Décolle. Je peux décoller ? Décolle. Merci beaucoup. 2 otages libérés sur 3. Je vous remercie d'avoir sauvé les 2 otages, monsieur. Mon hélicoptère est là, monsieur. Je vous fais confiance, monsieur. Je suis revenu pour m'assurer de la vie de l'otage, monsieur. Je ne peux pas partir, c'est mon boulot. C'est pour ça que je suis là, monsieur. C'est pour vous assurer de ma bonne foi. S'il y avait quelque chose de prévu contre vous, je ne serais pas ici, monsieur. Tout va bien se passer. Allez-y, monsieur. Pareil. Écoute, s'il y a quoi que ce soit qui se passe pendant qu'on est dans l'hélicoptère, on lui met une balle. J'ai entendu. Toutes les unités de police, reculez. On ne fait rien. Vous reculez. Je ne bouge pas. Toutes les unités de police, reculez. C'est signal, go. Laissez-les pas s'enfuir. Rapport de police, qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde? Liberto est dans mes mains. Gordon capturé. Les otages. Je pense qu'on a Gordon aussi. L'otage.
Je crois qu'on a perdu l'otage. Où est l'otage? On a perdu l'otage. Non, on a plus le Searchies avec nous. Tout le monde est sain et sauf. T'es sérieux? Ah, bien joué. C'est du putain de travail, les gars, félicitations. Bon, monsieur, attendez. Oh, Wiz. Wiz, agent Wiz, attendez. J'ai de la place dans mon little bird. Monsieur Gordon. Vous m'entendez ou pas, monsieur Gordon? Vous voyez, tout s'est bien passé finalement. Et ce soir, vous allez vous coucher, vous aurez un lit et 4 barreaux autour de vous. Mais vous serez vivant, monsieur. Ah, c'est pas ce que mes officiers m'ont confirmé, monsieur. Non, il est là, monsieur, il est pas mort, monsieur. Non, monsieur, tout s'est bien passé, monsieur. Monsieur, on va vous passer un téléphone, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on veut, monsieur? Maintenant, on négocie, c'est ça? On continue de négocier? Je négocie pas, c'est mon droit. Ah, votre droit, monsieur. Vous savez que dans la loi de cet état, les terroristes et les braqueurs qui prennent en otage, ils n'ont plus beaucoup de droits, monsieur. Monsieur Liberty, c'est la même chose. Bon, on va commencer dans l'ordre. Vous me devez 1 700 000 $, je les veux immédiatement. Je vous ai tout donné en cash, c'est forcément dans votre poche, alors donnez-moi ça. Est-ce que vous allez me redonner l'intégralité de l'argent? C'est sur vous, monsieur. Ça prend pas longtemps, hein. Le problème, c'est que l'un des otages, en fait, c'est pour être mon cousin qui est pas un otage. Oui, j'ai compris ça. Il a déjà transféré tout l'argent, en fait. Monsieur, je vais vérifier sur... Je vais vous fouiller, monsieur. Si vous me mentez, c'est la prison à perpétuité, monsieur. Je vous donne l'autorisation de fouiller nos comptes en banque. Aucune trace de l'argent et que vous n'avez pas de chance de le retrouver. Il n'y a pas de problème. Bon, déjà... Le souci, c'est quand votre cousin est arrêté aussi, monsieur. Peu importe qui a l'argent, il me la faut immédiatement. Sinon, c'est la perpétuité, monsieur. Attention, il y a un ifrit, les gens. L'argent a disparu. Il est en circulation. Il n'est sur personne. Il n'est plus en ligne. Nous allons vérifier ça, monsieur. Effectivement, vous êtes intelligent, mais peu m'importe, c'est la vie des otages qui est importante. C'est ce que nous allons voir, monsieur. J'ai des informations, monsieur. Les services secrets ont traqué votre virement, monsieur. Non, il n'y a pas moyen de traquer mon virement. Vous n'êtes pas les services secrets, monsieur. Vous n'êtes pas les services secrets, monsieur. Quoi? Allez, monsieur. Je les envoie à perpète, vous êtes d'accord? Ouais. Y'a que ça à faire, les gars. Mais Amixem, c'est quoi? Non, les met pas en prison, Amixem. Pourquoi? Non, mais je veux dire, on envoie une équipe sur place pour vérifier qu'il y a personne. Y'a pas les sous, ils ont pas les sous, j'ai vérifié sur les comptes. Hein. Ouais, mais Amixem, on faut envoyer un hélico sur la prison pour pas qu'ils soient libérés. Qui c'est qui aurait pu prendre c'est bon, pas alors. On a c'est Dilak qui les a virés à quelqu'un. Comment il a fait pour les virer? Il peut pas les virer comme ça. Je vais vérifier un truc. S'il y a un type dans le coin qui est venu, on l'aurait vu, non? Les équipes de police sont en train de vérifier les comptes de tout le monde, monsieur. Soyez patient. Hein? Non, il faut même dans du bâtiment. Non. Des fois, j'arrive à donner des trucs. Mais ça, il peut pas le faire. Tu peux pas les virer. J'ai trouvé
J'ai trouvé. L'otage, il est où? L'otage, il est où? Cédric. Il est où, Cédric? C'est lui qui a tout. C'est Cédric qui a tout. 1 700 000, je te dis. Il est où? Il est... En gros, les gars, il faut rechercher. Mais non, mais il a été libéré, Cédric. Ça fait longtemps, mec. C'est au début. Il a été libéré. C'est le premier otage qu'on a libéré, je crois. Il est où? Qui c'est qui l'avait? Vous l'avez relâché dans la nature, c'est ça? Comment ils ont fait pour se transférer de là? Ah putain, fait chier! Ils étaient côte à côte à ce moment-là. Ouais, ils étaient côte à côte, ouais, c'est pas con ce qu'ils ont fait. Ah ouais, c'est bien joué, mais en fait c'était pas du tout un otage. C'était bien joué quand même. Bien, donc les services secrets ont détecté qu'une transaction d'$1,700,000 a été effectuée au nom de Cédric, le premier otage que j'ai libéré. Bien joué, messieurs, mais ça ne va pas se terminer comme ça, messieurs. Il faut un hélico qui part en direction de la prison pour surveiller. Ouais, mais peu importe ce que vous faites, Cédric a disparu, Cédric. Cédric va être retrouvé, monsieur. En attendant, on vous tiendra informé de derrière les barreaux. La prison va être surveillée spécialement pour vous. Donc, soyez sûr que vous allez y rester jusqu'à la fin de votre peine, monsieur. Mais encore une fois, peu m'importe, tous les otages ont été sauvés. Messieurs, je vous envoie donc en prison. Je n'ai rien à manger sur moi. Et si vous mourrez en prison de faim, croyez que je ne vais pas être peiné de cette nouvelle.